se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau retour de course et aussi donc le rangement des courses après le retour de course. Et je voulais aussi vous parler en début de vidéo d'une chaîne. Il n'y a pas énormément de chaînes que j'ai franchement en coup de cœur parce que voilà, ou alors si, mais c'est des chaînes qui vont être étrangères, des chaînes anglaises et américaines. Et quand j'ai des coups de cœur, voilà, pour des chaînes françaises, bah je vous en parle et voilà, et là c'est le moment. Puisque c'est très rare franchement, donc là c'est pour la chaîne donc, de Mama Jumeau. J'avais déjà fait une collaboration avec elle l'année dernière et là je voulais vous en reparler, vous dire voilà, si vous la connaissez pas, allez jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Elle fait de la déco, des rangements, de l'organisation, un petit peu comme moi et comme plein d'autres mamans sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un petit tour sur sa chaîne et à vous abonner si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est parti, maintenant on va pouvoir passer au retour de course. Et j'ai trouvé des petites nouveautés hyper sympas, donc j'ai envie de partager ça avec vous. En premier, c'est du non alimentaire et c'est ceci. Donc ça fait un petit moment que je le vois et il me fait de l'œil. Puisque mon hachoir à moi manuel, vous savez, de action avec une corde comme ça, il est trop petit au niveau de la contenance. Donc je peux pas faire grand chose. Et celui-là, donc il fait aussi donc les fruits à coque, donc tout ce qui va être amandes, noix et tout, je vais pouvoir faire des trucs sympas. Les légumes, les herbes aromatiques, les oignons. Et il a aussi un embout pour faire la chantilly. Donc franchement, ça c'est vraiment génial. Il était à 9,99€. Dites-moi en commentaire si certains l'ont. Et il fait aussi pileur de glace, donc ice crush. Ça c'est vraiment génial, je vais pouvoir faire des cocktails et tout, enfin vraiment je le trouve bien, après à voir dans la pratique ce que ça va donner. Ensuite j'ai pris, ça faisait longtemps, des roses comme ça. Vous n'avez pas beaucoup de choix là, mais bon voilà, elles sont quand même toutes mignonnettes, à 1,99€ toujours le bouquet. Ensuite j'ai pris de la ciboulette, puisque celle que j'avais achetée l'an dernier, bah là franchement il y en a encore un petit peu mais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est qu'elle sent un peu le... Vous savez, elle sent un peu l'humidité, le moisi. Ouais, elle sent moisi. Vous voyez qu'elle est moisie. Voilà, ça. Je sais pas si je peux rattraper ça ou pas. Je dirais qu'il y a comme de la... Enfin, de l'humidité, hein, mais c'est comme des champignons. Des champignons dans la ciboulette. Voilà, ça c'est fait. Donc bah je sais pas, je vais voir, en enlevant, en arrosant, je sais pas trop, ou... bref, à mon avis, ouais, je vais pas faire attention, ça c'est fait. Des poires comme ça à 1,49€ pour faire des salades, avec des poires, des salades de fruits et aussi des salades. Des concombres, j'en ai pris 3, mais l'autre il s'est enfui, je ne sais pas où il est, voilà, de France à 99 centimes. J'ai également pris... des petits trucs comme ça. Ils avaient plein de nouveautés là, cette semaine. Ça j'avais déjà testé à Leclerc il y a un an de ça et c'est pas mal du tout. C'est des petits gâteaux comme ça qui sont bio et qui contiennent des aliments, des super aliments qui boostent et tout. Donc là c'est de la spiruline et cranberry, voilà. Donc j'avais déjà goûté, c'est pas mal. Ça coûtait 1,49€, donc franchement c'est pas très cher. Ensuite j'ai pris des tortilles, puisque là on était en rupture de pâte. Des tomates à 99 centimes le kilo, donc vraiment pas cher du tout. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des courgettes comme ça, donc ça je vais vous donner parfois quelques indices sur les recettes de la semaine. Il va y avoir, enfin des indices, je vais carrément vous dire le nom de la recette. Ça va être des courgettes farcies à la ricotta. Voilà, donc il me fallait des courgettes que je vais ouvrir et que je vais farcir en espérant que les enfants aiment. J'ai pris des lentilles vertes, alors oui... Oui, j'avais pas fait attention. Je vous ai dit dans une vidéo, l'autre fois à Lidl, ils font pas de lentilles sèches comme ça. Et en fait, si, il y en avait. Mais par contre, ils ont pas de pois cassés. Ça, j'ai regardé partout, j'ai pas vu de pois cassés. Par contre, les lentilles, il y en a. Donc, rectification. J'en ai pris 2 paquets du coup. Voilà, j'en ai pris 2 paquets. Et c'était pas très cher. Je crois que c'était à 70 centimes, quelque chose comme ça. J'ai pris les tagliatelles fraîches. Quelqu'un en commentaire me les avait conseillées, celles-là. C'est des petits paquets pour 2 personnes, donc j'en ai pris 2 paquets, sachant que William il mange pas une portion entière, ni Victor non plus. C'était à 75 centimes le paquet de pâtes, bio, donc pas très cher. Je leur ai pris des fromages comme ceci, imitation Kiri. Ensuite j'ai pris du lait d'amande
comme ceci. Ça c'est pour faire mes boissons au thé matcha avec le, enfin des thés latte, thé matcha latte, voilà, avec le lait d'amande. Qu'est-ce que j'ai pris? Ils font à Lidl, et ça c'est nouveau, ils font de la Brie Délice. Par contre ils les font en petit, donc j'en ai pris deux. Elles étaient à 60 centimes je crois, de tête, 65 centimes la petite, donc ça me revenait à 1,30 la grande, et c'est à peu près ça à Leclerc, c'est pas moins cher, c'est pareil. Ensuite j'ai pris des pommes de terre comme ceci, les amandines, elles sont super bonnes, elles ont un petit goût sucré à souhait. Ensuite j'ai pris une mangue comme ceci pour faire une salade avocat mangue crevette. Ça c'est vraiment ma salade préférée, la meilleure du monde, donc je vais partager avec vous cette recette donc cette semaine. Une bouteille de Mai Tea comme ceci à la menthe, franchement excellent, quand c'est super frais c'est parfait. J'ai pris 3 boîtes de champignons mais là il n'y en a qu'une, et une bûche de chèvre puisqu'on en avait encore à la maison. J'ai pris aussi pour les enfants des yaourts bio comme ceci, imitation petit filou, et ça c'est en date courte mais c'est jusqu'au 14 septembre donc j'ai encore le temps devant moi, et c'était à moins 30% donc c'est passé à je ne sais pas mais c'était pas très cher, voilà. Ensuite j'ai pris des crevettes, ça m'avait vraiment manqué franchement dans ma semaine de défi, les crevettes c'est un truc qui m'a énormément manqué. 4,99€. Les fameux avocats, donc ça c'est pour faire la salade, et aussi il faut que je fasse du guacamole, donc là il va m'en manquer, donc je pense que j'irai en rechercher à grands frais au moment où je ferai la recette donc du guacamole, puisqu'il faut 2 avocats ou 3 je crois pour faire la recette. Des endives à 1,99€, voilà, je vais pouvoir me faire des petites salades, des petites compotées d'endives, ça va être parfait. Un autre paquet comme ça de tortilles. J'ai pris ceci, donc ça c'est un bandage pour poignet, puisqu'en ce moment, le soir, j'ai hyper mal au poignet droit, je sais pas pourquoi, ça me fait hyper mal quand je fais certains mouvements, mais c'est pas tout au long de la journée, c'est surtout le soir où j'ai vraiment hyper mal, donc mais c'est pas non plus une douleur lancinante, hein, je suis pas en train d'agoniser non plus, mais je me suis dit tiens, je vais pouvoir prendre ça pour me soulager un petit peu le soir. Quand je travaille sur mes vidéos et tout, des fois ça me bloque le bras. Donc je vais tester. On va voir. Et donc, les bananes comme ceci. Donc voilà, 99 centimes les bananes. Pour le goûter pour les enfants. Des cerneaux de noix, ça c'est pour mettre dans les salades. En ce moment je suis très salade en entrée. Et j'aime bien rajouter des cerneaux de noix comme ça. Ça donne un petit goût croquant, c'est pas mal. Et là c'était en plus pas très cher à Lidl, je crois à 2€. Donc comparé à certains magasins où ça monte des fois jusqu'à 5€. C'était pas très cher. J'ai pris donc le deuxième paquet de gâteaux. Là c'était matcha et citron. Je l'avais déjà goûté aussi celui-là. Mais il est pas mal. À 1,49€. Un petit paquet de tartelettes comme ça. J'en trouve pas tout le temps à Lidl de celle-là, c'est bizarre. Et donc ça c'est pour William. Il en est fan de ces petites tartelettes-là. Elles sont super bonnes et elles sont à 1,49€. De la mozza comme ça en bâtonnet là, enfin voilà, pour spécial pizza et tout, moi je vais l'utiliser pour faire des bruschetta comme ça. Donc il fallait de la mozzarella pour faire des tranches hyper fines au-dessus, parce que l'autre mozzarella ça va pas trop pour les bruschetta là, parce qu'on m'a dit en commentaire faut dire bruschetta, mais ouais ça va pas trop, donc là avec ça c'est mieux, j'avais déjà testé, c'est pas mal, avec de l'huile d'olive, des petits oignons, des petits champignons, des petites tomates, pas mal. Alors ensuite j'ai pris, et ça j'avais jamais vu ça, c'est des petits shots, ils appellent ça des shots, bio ginger shots, c'est des shots de gingembre. Mais au début j'avais mal lu, j'avais vu ginseng, donc rien à voir. Mais au final c'est gingembre et ça rebooste. Donc là il y a du gingembre dedans, du jus de pomme et du jus de citron. 100%. Il n'y a pas de sucre en plus, il n'y a pas de truc bizarre, c'est 100%. Donc il faut shake me, donc on secoue bien et après on boit et c'est censé nous rebooster. Donc je vous dirai si ça marche, hein. Pour le matin des fois quand je suis un peu... voilà. J'ai pris aussi, et ça ils en ont pas tout le temps, franchement ils en ont pas tout le temps, c'est bien dommage, c'est du quinoa. Leur quinoa il est excellent et il est à 2,49€,
Donc il n'est pas très cher, encore une fois comparé à certains quinoa que je vois à Leclerc qui sont hors de prix. Là il n'est pas cher et il est super bon, donc j'ai pris deux paquets. Ça c'est pour changer un petit peu, remplacer les pâtes, le riz, etc. De l'huile d'olive, j'en avais plus du tout, je faisais ma cuisine au beurre depuis deux jours, c'était plus possible. Ensuite j'ai pris du sucre, ça c'est pareil, il n'y en avait plus. Du beurre. Ça on en a encore mais c'est juste pour me faire ma petite réserve. Alors ça il n'y en a pas tout le temps non plus, c'est pour ça que j'en ai pris. C'est du jus de raisin, les enfants aiment bien le jus de raisin et là c'est du bio sans sucre ajouté. Donc pour le 4 heures, franchement pour leur redonner un petit peu d'énergie ça peut être pas mal. J'ai pris, et ça c'est pareil, je l'avais jamais vu, fabriqué en France, c'est de la limonade citron gingembre. Donc à 79 centimes la petite bouteille comme ça, voilà pourquoi pas, pareil pour goûter. J'ai également pris donc, des spaghettis comme ça. Que j'ai goûté du coup pendant ma semaine de challenge et franchement ils étaient pas mal hein. Donc j'ai repris un petit pot donc de crème fraîche dont je vous parlais tout à l'heure, les champignons dont je vous parlais également tout à l'heure. Ensuite j'ai pris des poivrons comme ça, ça c'est pour faire une salade Marco Polo. C'est une salade à base de crevettes, de surimi, il y a des poivrons, des dés d'emmental dedans et de la mayo. Et voilà, et elle est juste excellente. Je cherche juste un moyen de remplacer la mayo par autre chose, voilà, de moins cracra. Mais je sais pas trop encore, mais je vous ferai la recette dans la semaine, pareil. J'ai pris donc ceci, deux boîtes comme ça, de tomates cerises, pareil, pour faire des recettes. Je pense que ça va être pour mettre sur les bruschetta ou pour faire autre chose. Et enfin, une boîte de champignons.